Après vous aurez une version punk avec Zeppo si Julien y arrive. Ok. Je vais essayer de pas être trop drôle. Ah. Ouais. Bienvenue en Suisse, ici paraît-il le peuple roi. Un homme maître sur son putain de vote, choisit lui-même ses propres lois. Respire l'air pur des Alpes, regarde en flotter son drapeau. Dans une économie prospère où l'argent plus l'inflot efface ses palabres. Le vrai visage du diable se cache derrière les sinistres mascarades. En première page, des torchons qui s'arrachent, des bourgeois chantent les louanges de leur monde. Mais voici la poussière sous le tapis rouge du sang, de tant de puissance profonde, la dictature du grand nombre. Voilà tout ce qu'ils respectent, écoute la sacro-sainte voix du peuple de leur démocratie directe. Voici ce qu'elle répète, tout ce que ça donne. Extrême droite au pouvoir, une politique d'asile qui piétine les droits de l'homme en droite ligne d'une longue histoire. Sont souvent passés sous silence pendant que ceux qui ne savent rien disent tout ce qu'ils pensent. L'homme des dictateurs de toute la planète. Dans au chaud à l'abri des regards dans les coffres forts en cachette. Bienvenue en Suisse en accueil de l'argent sale. Venu pour remplir les coffres, tirer profit des charmes du paradis fiscal. Pendant que des familles entières coupent son centre de rétention, chacun célèbre la liberté de la nation. Bienvenue en Suisse en accueil de l'argent sale. Venu pour remplir les coffres, tirer profit des charmes du paradis fiscal. Pendant que des familles entières coupent son centre de rétention, chacun célèbre la liberté de la nation. En tout les choses remontrent. Personne ne se révolte, les citoyens patients remplissent les files d'attente aux portes des bureaux de vote. Dans leur enveloppe se cache la voix qui vient d'apporter. La liberté n'est qu'un simple morceau de papier enfermé dans leur monde. Les moutons de toutes sortes s'endorment, se contentent de suivre facilement les ordres des hommes qui portent l'uniforme. Les chats de garde mordent toujours plus fort devant les cerveaux. La police de la pensée patrouille sur toutes les pages des journaux. La majorité que tout s'acclame cache un visage blême, facile de se prétendre libre quand on ne pense pas par soi-même. Le système s'assure que tu coches la case correcte, que chaque citoyen cache bien un flic dans sa tête. C'est l'âge qui d'un geste le dimanche en sortant de la messe accepte que leur pays s'obstine à vendre des armes, cautionne son sinistre commerce avant de rentrer chez eux. Ça donnait au commérage, parler de la violence des jeunes qui étaient meilleurs à leur âge. Bienvenue en Suisse, terre d'accueil de l'argent sale. Venu pour remplir les coffres, tirer profit des charmes du paradis fiscal. Pendant que des familles entières coupent son centre de rétention, chacun célèbre la liberté de la nation. Bienvenue en Suisse, terre d'accueil de l'argent sale. Venu pour remplir les coffres, tirer profit des charmes du paradis fiscal. Pendant que des familles entières coupent son centre de rétention, chacun célèbre la liberté de la nation. Yeah, okay, ça...